Eh bien, salut, bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures de Final Fantasy VIII remasterisé. La dernière fois on avait réussi à atteindre la Lune. Linoa s'était fait envoûter par je sais pas qui pour sauver Adèle ou Abel, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'était la merde. C'est hors de question, je ne la laisserai pas mourir. Non, Elon, il faut faire quelque chose, je ne peux pas. Ça serait terrible. Je ne sais pas. Amène-moi vers Linoa, vers son passé. Putain, t'as déjà dit non. D'accord. Quoi? Comme ça là? Sérieux, ça ne marchera peut-être pas, mais essayons quand même. Ouais. Et du coup, on doit y aller maintenant. Allez hop. Wouh! Ah ah! C'est légèrement la merde. Attends, ça veut dire que, à part nous quatre, ils sont tous morts les autres. Pas dur pour eux. Yavin, retourne à la prison du désert. Attends, mais ils foutent quoi ici, eux? J'obéis aux ordres de ton père, on va à Deling City. Hein? Du coup, là, on est dans le passé, là? Aïe, mais ça va pas la tête? Dur. On retourne aider les autres. Ok. Ils s'en sortiront seuls, ils trouveront un moyen de s'évader. Ah non, non, encore dans le présent alors. Comment peux-tu en être sûr? Squall n'obéit qu'aux ordres. Alors si personne lui ordonne, il restera. T'inquiète pas là, je suis déjà parti là. Je veux pas qu'ils croupissent en prison pendant 50 ans. On doit les aider. Je dois employer la manière forte. Ouais, la dérogation. Vas-y, chope là là. What? Quelle connasse. Aïe, oui, ça fait mal. En voiture, Simone. Allez. Waouh. C'est des dérapages de malade. Ok, on y retourne. Bon, bah voilà. C'était du rapide. Et maintenant, la bague de Squall, je sais pas où il l'a achetée. Mais c'est pas une bague, putain, c'est un collier. Je voudrais la même, je la trouve superbe. Tu parles de celle avec une espèce de monstre dessus? Putain, c'est un lion. Oui, celle-là. Si tu veux, je peux te faire la même. J'aurais pu être faussaire, tu sais. Une copie? Quelle bonne idée! Ouais, trop contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Sauf qu'il faut que Squall me donne l'original comme modèle. Ah. Là, tu es dans le cul, là. Mais c'est impossible. Ah bon? Pourquoi? C'est trop gênant. Mais pourquoi? Ouais, c'est bon, putain, mais t'es cramé à 3 km là. Oh, tu es amoureuse, oui, tu peux le dire, ouais. Mais non, pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ah, oh, putain, mais t'es claque dans la tronche. Ah, Elon, ce n'est pas ça, c'était bien trop loin. Hein? Excuse-moi, réessayons. What? Ah, du coup, t'es vraiment dans le passé? Mais attends, dans le passé, quand, du coup? Comment ça, toi, en plus, ça, c'était tout soi-disant trop loin? Où suis-je? Tu. Je. Il. Nous. Vous. Cipher? Ah. J'ai vu cette silhouette bizarre là. C'était donc elle, l'Ultimation, non? Oh! Pourquoi elle réanime Cipher là? Ce n'est pas Linoa. Cipher, noble chevalier, la sorcière est vivante. Ultimecia, la sorcière du futur, possède Linoa? Elle s'y est réincarnée à partir des DA. Où est Linoa? Retrouve la légendaire lunatique Pandora, cachée en Dessa. En Dessa? En dessous de l'océan, non? Ceci fait, la sorcière pourra satisfaire l'ensemble de tes rêves. On fait une petite faute d'orthographe là. Linoa, où es-tu? Oh, Cipher, je t'obéirai à Ultimecia. Us, us. Squall, j'ai peur. Linoa! C'est donc elle. On va voir son visage. Tan, 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 tan. Qui est là? Sortez! Oups. Ah, nouvelle mise à jour pour Dead or Alive 6.
Lina! Oh! Elon! Ouais? Alors, tu as réussi? Tu es parvenu à modifier son passé? À modifier? Ouais, non. Je croyais qu'on pouvait pas le faire. Tu te fous de ma gueule? Tu m'as dit dans la vidéo avant qu'on pouvait pas. Je n'ai rien pu faire, je suis désemparé. Je me souviens de ce regard. Tu me regardais comme ça lorsque tu étais petit. J'appelais ça le regard de chien battu, tu te souviens? C'était il y a longtemps. C'est vrai, le présent est plus important. Je m'en suis aperçu. Je dois aider Linoa. Rien n'a jamais été aussi important pour moi. Alors parle-lui, ta voix ne peut l'atteindre, mais ton cœur, oui. Tu es prêt? Je t'envoie dans un passé très récent, ok? Ok. C'est pas vraiment des choses bizarres. C'est un peu contradictoire quand même. Voilà. Épuisement du système de survie dans 15 secondes. Oh! Je veux m'en sortir. Ah merde, mais c'est du noir! Oh, mais elle est dans la merde, elle est au milieu de l'espace. Et comment? Je ne peux rien faire. Ah bah oui, bah dans l'espace là, oui. Tu es dans ce qu'on appelle le bide. Je vais dériver. Tu dérives déjà, ma cocotte là. Jusqu'à la fin des temps. Je pense que t'auras plus d'oxygène avant. Puis t'as peut-être faim, soif au passage. Ce système de survie épuisé. Explose. Explose. Dommage. Non. Dommage. Allez, s'il te plaît. Je. Oui, je. Ça y est, elle est morte. C'est terminé. Alléluia! Ou pas? Ah putain, je vais. Je sais. Putain. Ah. Je vais mourir. Ah, mais elle se rapproche tout doucement en plus. Tout doucement, mais sûrement, elle va arriver vers nous. Arrêt immédiat du système de survie. Donc, techniquement, tu n'as plus d'oxygène là. Donc tu devrais crever dans les 20 secondes qui suivent. Je ne peux plus respirer. Ah, voilà! Squall! Ça c'est réaliste, ça. Voilà, quoi faire. Ouais, et du coup, Squall. Inoua, non! C'est même une petite lumière. Bizarre. Tiens bon! J'ai l'impression qu'ils ont déjà passé le fond derrière plusieurs fois. Adieu. Linoa, tu m'entends? C'est moi, Squall! Attends, maintenant, on peut faire de la télépathie? Linoa! Ciao! Ouais, bon, par contre, 20 minutes de ça, là, oh! Ah! Ah bah non, ça continue! Ouais... Tu commences à avoir froid normalement, non? Un passage. La petite souffure. Chaud. Tu te souviens de notre promesse? Ah ouais, carrément. Ah, c'est fini, elle va mourir là. Tant que l'un de nous sera vivant, l'autre ne pourra pas mourir. Ouais, mais là. Ouais. Et du coup, elle est morte? Non. Ah, la musique s'arrête. Il va se passer autre chose. Et cette autre chose va être. Linoa, qui tourne encore et encore et encore. C'est long. To pee blade. Ah punaise. Bon, s'il te plaît. Ah non, je peux pas bouger en plus, hein. Ah oh.
La suite, s'il vous plaît? J'aimerais bien avoir un petit peu, je sais pas, boss, combat, non? Quelque chose? Ah! Du coup, elle est pas morte. Je suis toujours. Comment ça se fait? Je comprends plus grand-chose. Vivante? Oui, ça m'a donné tout l'air. Squall. Mais comment on va faire pour la retrouver maintenant? Je suis avec quelque part dans l'espace, sérieux? Oh putain, c'est quoi ça? Bon, du coup, c'est bon, t'as pu faire de la télépathie avec elle. Je vais la retrouver. Mais où, comment, putain, tu te fous de ma gueule? Tu n'as pas eu besoin de moi. Merci, Lelon. What? Non, oh, n'y va pas. Il est fou, il ne pourra pas revenir. Son système de survie va s'épuiser, ils vont mourir tous les deux. Bah, on mourra tous les deux, en amoureux. On aura peut-être le temps de se faire un bisou dans l'espace au passage. Ouais, et maintenant? Putain, ceux-là, je vous jure. Eh! Bon, on va chercher maintenant dans l'espace. 1 minute 30, Linois, où es-tu? Hein? Elle est là. Je te retrouverai, je te le promets. Elle est là, elle est devant toi, tu te fous de ma gueule? Je dois me placer en face d'elle pour l'attraper. Ah mais comment je fais moi pour être en face? Alors, je bouge la caméra. Mais elle est difficilement en face là. Ah ouais merde, elle se rapproche. Oh fuck fuck fuck. Merde! Et pourquoi ça bouge pas? Approche-toi du milieu. Oh shit. Ah c'est bon, je crois que ça marche un petit peu là. Oui, ça marche. C'est léger, mais petit à petit. Allez, encore 30 secondes à peu près. Yes. Allez, un petit peu. T'as 20 secondes, ça va être tendu. Yes, vas-y, 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 vas-y. Là, c'est bon, tu peux l'attraper là. Là, t'es bien. Là, t'es bien. Oh, s'il considère pas que j'ai réussi. Et toc! Voilà! Oh putain, là, il faut que je descende? Non, 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 c'est bon, là, 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 on est bien là. Putain, j'ai droit à son derrière en plus. Oh, le petit colin. Ouh. Par derrière! Oh putain, ah, par contre là c'est les casques qui se rentrent dedans là. Squall, merci. J'ai entendu ta voix. Je sais. On va s'en sortir? À ton avis. On ne peut pas bouger. On ne peut plus respirer. Ce sont les symptômes de l'amour. Pas le moment de plaisanter. Je veux au moins sauver Linoa. Qu'est-ce que c'était que ça? Tiens! Et du coup, il se passe quoi maintenant? Yo! Esquive! Waouh! Un vaisseau en forme de dragon? Qui c'est qui va nous sauver?
Ouais. Et du coup maintenant? Ah, on va se prendre le derrière? Fuck. Et là, pfiou, game over. Ah non, ils vont s'accrocher. Je peux même me casser si je veux. Oh, excellent. Ah non, on va rester auprès d'elle. Allez, vas-y, hop. Tché-tché! Là, c'est long. Allez, hop, grouille. Ah! Qui c'est qui va y avoir dedans? Trophée obtenu. Ah. Mais putain, mais. Rien qui est logique là, là. Déjà, à quel moment on a réussi à la trouver, quoi? Elle était pas là dans l'espace, elle était au milieu de nulle part, et puis. Allez, vas-y, Osef. Bah ouais, on va quand même sauvegarder, bien sûr. Oui. Et là, faut que je sauvegarde là. Nickel. Ah bah, elle va où? Dieu merci, il y a de l'air. Ah, elle a enlevé son truc? Ah non, dur. C'est bon? Ouais, du coup, on peut y aller. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de combat, sinon c'est la merde. Alors maintenant, vous allez pouvoir faire des bisous. Ou pas. Oh. Quoi? Merci, Squall. Tu m'as encore sauvé. Merci, du fond du cœur. Je ne pouvais pas te laisser. C'était plus fort que moi. Oh, Michu. What? Elle nous fait quoi là? Viens dans mes bras. Qu'est-ce qu'il y a? On ne pouvait rien faire avant, à cause de la combinaison spatiale. Ah! Un petit câlin de remerciement? Un quoi de remerciement? Tu mérites bien ça. Allez, vas-y, putain. J'ai besoin de me sentir vivante. Vivre. Ah putain, tu vas pas y mettre avant maintenant. C'est survivre qui est différent. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, tu sais. Ah bah ça, c'est clair. Hein. On est dans un vaisseau inconnu. Pour continuer, nous allons devoir retrouver les autres. Ouais. Je ne veux pas devenir un souvenir. Eh non, t'inquiète. Exactement. Et du coup, pas de câlin? Oh dur! Oh dur, je lui ai mis un vent. Ah. Mais que... Oh non, pas un boss. C'est écrit au moins un boss normalement ici ou pas? Ah! Oh! Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Ah, mais on est dans le vaisseau des méchants là! Ah. Ça n'a pas l'air très amical. On va essayer de passer sans se faire voir. On doit s'attendre à tout. Mieux vaut vérifier nos associations. Très bonne idée, étant donné que j'avais. Merde. Échanger ça avec ça. 1000, c'est tout? Non, tu peux pas faire ça. Non, j'ai pas fait le bon échange. Avec Edea. Ah! Bon, alors, on va savoir ça tout de suite. Qui c'est qui a quoi du coup? Parce que ça, c'est chiant. Voilà, j'ai récupéré. C'est bon, ça, c'est bien. Capacité. HP plus. Voilà, j'ai plus HP plus 80. Voilà, tu me fais quoi? Boum! Voilà, 7000, c'est bien ça! Magie, Squall! Utilisez! Soin, pour moi! Oh là là, trop de points de vie! Une noix, hop, ça suffira! Ah, par contre, une noix, elle a vraiment rien! C'est pas possible ça! Une noix associée, GeForce! Ok, là, Ifri, parfait! Très bien, Ifri! Et la capacité! Ah non, elle a pas tout ça! Elle. Ouah, c'est la merde. S'il y a un combat, ça sert à rien, c'est bloqué, il va falloir descendre. Pour ça qu'il me disait, faut pas se faire voir. Oh fuck. Ouvre-toi. Putain, je pensais pas qu'il allait me... Oh non, fuck. Ah, en plus c'est la musique de boss. Ça pue ça, non? Oh, yo, arrête d'être méchant lui.
Allez, foudre X, hop, je suis mort. Boom. Oh, même pas. Ah, par contre, toi, tu fais quoi là, gros? Stop. Ah, je sais pas combien de points de vie en plus là. C'est pas écrit là. Ennemi propagator. Ah non. Ah putain, il est pas mort. Divine Comedy. Alors, Ifri, je pense que c'est vraiment l'un des plus puissants. Oh oui, il est mort. Ouais. Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Non. Ah putain, j'ai dans le cul, sérieux. C'est rouge, là c'est vert. Oh, c'est la merde. Oh oui. Oh, Odin. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qui est le plus puissant? C'est Odin. Sale merde. T'as seulement il peut venir plus souvent, lui. Ah. Verrou de sûreté activé. Oh là là, ça va jamais se finir. Bon. Oh. Et ah, de me les enchaîner, ouais. Ah merde, je suis dans la merde. Allez, s'il te plaît. Arrête là, t'es chiant là. Putain, Ranzan Zoken. Boum. Wow. C'est un nouveau ça. Ouh. Bon, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'utilise la magie à mort, c'est grand-mère. Alors, Vimax. Non. Oui. Masse. Quoi? Ah merde. Ah pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oui. Vimax, voilà, je vais récupérer ma Vimax. Et pourquoi je peux utiliser ma magie? Pourquoi? Je peux pas. Oh. Non. Alors, utilise des objets, hein, tant pis. Hein. Alors, ajoute 1000 points. Yes. Annule KO. Yes. Ninoa. Et t'as mis tous les HP. Non, on va faire 1, 2, 3, 4. Et 1. Merde, il faut que j'enlève mon truc mental là. Soigne poison. Je sais pas si c'est un poison. Soigne attaque mentale. Yes! Par contre, je sens que ça va vraiment être la merde là. Oh non! Oh non! C'est en plus un labyrinthe cette merde. Ah, par contre, il reste mort. Ça, c'est bien ça. 4 vies. Je suis venu ici? Fuck! Mais non! Ça, c'est la mer noire. Putain! Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est de faire une petite coupure au moment où je vais le tuer. Aïe, ah non, c'est bon, il ne l'annule pas. Et du coup, de revenir au moment où je vais trouver le vrai passage, parce que là, sinon, c'est pas possible, ça. C'est nanananana. Forcément, je gagne pas d'XP. Ça pue la merde, ça. Bon, bah, à tout de suite, hein. Ah. Putain, c'est une merde, va. Casse les couilles, gros. Ouais, et maintenant? Ah, on peut aller ici. Alors, rapport sur les alienators présents dans ce cargo. Tous les monstres à bord du vaisseau ont été abattus, mais nous consignons ici des infos au cas où ils réapparaîtraient. Les alienators sont féroces, rapides et ils mesurent de 3 à 6 mètres. Ces carnivores ont dévoré plusieurs membres de l'équipage. Il existe 8 alienators indépendants, mais ils constituent un seul et même être. Vous devez les tuer dans un ordre précis, sans en oublier aucun. Oh non, en effet, si vous tuez un monstre, celui-ci faisant partie d'un tout, et pour être ressuscité par un autre alien ayant les mêmes caractéristiques. Les 8 monstres forment une entité unique afin de protéger leur refuge. Ils semblent immortels, mais vous pourrez les détruire définitivement en suivant une règle logique. Si nous donnons à chacun des alienators une lettre de A à H, B peut ressusciter A, D fait revivre C, et ainsi de suite jusqu'à H. Si vous tuez B juste après A, A ne pourra pas être amené à la vie. Ah.
Nous avons établi que les monstres récessiteurs présentent des caractéristiques identiques. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Bonne chance. Donc en gros, on doit les tuer par paires de même couleur. C'est ça? Ah, mais c'est grave la merde, ça. Et bah du coup, je pense que... Bah on va faire ça sûrement la prochaine fois, hein, parce que là, ouais, ça va prendre un peu de temps de faire tout ça. Hein. Ouais. Bon bah sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, c'est pas faire le retour, lâchez un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une aventure de Final Fantasy VIII Remasterisé. Passez une très bonne soirée. Au revoir.